Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Tox. J'espère que vous allez bien les amis. J'ai déjà enregistré cet épisode une fois, et pour une raison qui m'échappe, OBS a perdu ses réglages audio, en gros. Donc du coup je suis très embêté parce que j'ai 4 pistes en fait en audio pour mon enregistrement, et les 4 sont strictement identiques avec une voix de moi beaucoup trop faible et un son du jeu beaucoup trop fort. En conséquence de quoi, il est de mon devoir de recommencer. J'ai remis quand même mon compteur de pièces en haut à droite, hein. Je l'ai remis à 861 en allant modifier dans les fichiers de configuration. Et puis comme ça on va pouvoir s'y mettre. Si c'est comme tout à l'heure, vous allez voir de magnifiques petits rages, n'est-ce pas? À noter que j'ai loupé un secret sur celle-là. Je crois que j'ai loupé au moins un secret pour chacune des 3 trucs qui viennent. Hein. Ok, bon, c'est parti. Là, le premier secret, il est pas trop difficile à trouver. Hein. Bim. Voilà. Hop là. Je sais pas. Plus où j'en étais par rapport, mais est-ce que j'étais vraiment qu'à une... Ouais, je sais plus niveau taille, mais enfin bon, c'est pas grave. Je veux dire, est-ce que j'avais exactement été qu'avant? Il suffit que je meure une fois, puis c'est bon, je suis nouveau petit, hein, donc bon. Voilà. Vous avez qu'à me traiter de cheater si vous voulez. Bon. J'aime pas trop ces trucs où on se cogne la tête, d'ailleurs on y reviendra. Y'a pas un truc là du coup? En effet, il n'y avait pas un truc. Bon. Oui, ça c'est classique. Une petite fleur. Allez. Bim. Allez. Tout à l'heure, je les ai tous eus, sauf un. Donc c'était celui-ci, hein, sur mon premier enregistrement. Ouais, parce que du coup, vous voyez, hein, j'enregistre... Enfin, du moment que j'ai déjà enregistré une fois, je connais ces mondes. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'ai dû refaire à peu près 15 fois un même passage sur le deuxième monde. Et une fois que j'ai réussi, après j'ai dû refaire 10 fois la fin. Hein. Enfin, vraiment quoi. Avant de trouver l'astuce. Oh mon dieu. Pourquoi je sens que je vais mourir là? Non, ça va en fait. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pu reprendre un peu de... J'ai pu reprendre un petit peu du coup dans mon coin tranquille. Quoi? Mais vous avez vu, j'ai glissé sur... J'allais vers la droite. J'allais pas vers la gauche. Quoi? Faut que je me concentre, je crois. Wow, magique. Juste magique, ce que je viens de faire là. Allez, on va tous les faire. Yeah! Alors, on devient grand, on est content. Je sais plus s'il y avait un truc là. Non, il n'y avait rien. Bah oui. Allons-y plus vite. Prenons-le de la figure tous ensemble, mon cœur. Alors là, oui, il y a des pièces que je ne peux pas récupérer si je ne suis pas avec la petite fleur, avec les boules de feu. Puisque c'est des nouveaux blocs de glace, en fait, qui ne fondent qu'avec une boule de feu. Donc, Oui, j'avais oublié, tiens, ces trucs là. Allez, où? On attend que machin soit loin. Voilà. Ouais. En fait, je pourrais récupérer une partie des pièces en haut, mais à condition d'aller faire sauter des bombes. Mais franchement, est-ce que ça vaut la peine? Je ne pense pas. Ça me ferait 3 ou 4 pièces de plus. Et c'est quand même un risque qu'on prend en faisant ça. Hein. Donc, j'estime que le calcul n'est pas à mon avantage. Et tant pis si ça me fait des pièces de moins. Tac. Voilà. Toi aussi, dégage. Ok. Ah, ça fait du bien à des grands. Ouais. C'est vrai que le problème qu'il y a, c'est qu'il me faut 100 pièces pour récupérer une... Il me faut 100 pièces pour récupérer à peu près, hein, je crois, par vie perdue. Mais c'est toujours un peu... Olé olé d'y arriver. Tac, je crois que je dis un peu n'importe quoi en fait. Il faut que je me réécoute. Alors là, il y avait un passage pour aller là en haut, mais je sais plus où. Je ne sais plus où. Est-ce que par en haut? Probablement, ouais. Ça doit être ça. Ou c'était... Non, c'était sauter sur un bronze peut-être.
Bon, peu importe au final. Tac. Pour moi, ce qui compte maintenant, c'est d'avancer dans ce jeu. Allez, zou. Toing, toing. Pourquoi j'arrive pas? Ouais, comme ça, on est loin. Et cet univers-là est fait. Pas très joli. Pas très agréable. Le suivant non plus, d'ailleurs, ça c'est vide. Et celui d'après, par contre, alors c'est la fiesta bamboula tralala. Alors, c'est celui-ci qui m'a fait un petit peu rager. J'ai mis plus de 10 minutes si vous regardez mes statistiques. Voilà, déjà, rien que ce premier saut là, c'est. Oh non, je l'ai réussi tout de suite, mais. Non, mais sérieusement? Ok. Mais j'ai bien galéré pour les premières fois. Alors, twing, twing. Ok, là on va récupérer les pièces. On va attendre que machin et truc. Voilà. Oui, c'est nouveau ces fameux blocs de glace. Voilà, qui se casse quand on... ça fait boum. Quelle chance. Oh là là. Misère. Nope, 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 nope. Je vais trop loin. Le pangolin pingouin doit se calmer. Mais c'est vrai qu'on avait accumulé pas mal de pièces jusque là et en ce moment ben j'en ai reperdu un gros paquet hein, avec ce qui s'est passé avant. Voilà, on le laisse passer. Tac. Alors, en bas je sais qu'il y a une étoile hein, qui permettrait d'avoir de l'invincibilité temporaire. Mais au final, je préfère limite passer par-dessus les monstres que prendre un éventuel risque. Ok, là aussi je crois que c'est juste une pièce. Ouais, bah vous avez compris à force, hein, je pense. Je ne suis pas ultra génialissime à ce jeu, mais je l'aime bien. J'aimerais bien que machin veuille bien redescendre, s'il te plaît. Non mais sérieusement, mais c'est n'importe quoi. Allez. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'en avais un, celui de droite était collé au sol. C'était assez agréable. Oh non, du vide. Oui, alors là, si je me souviens bien, il y a une zone de... Ouais, il y a une zone de vide qu'on peut atteindre. Dans le vide, il y a un passage secret. Ok, alors là, c'est la première fois que j'arrive à voir ces quatre là. Bim. Est-ce que j'arrive à choper celle d'en haut? Non. Oui. Oui. Normalement, c'est faisable. Voilà. Parfait. Bébé Tox, il a récupéré son matériel. Oh non. Sérieusement? Est-ce que je peux le faire, ce saut-là? Je pense pas, hein. On va tenter. Non. C'est bien ça. Tant pis. Tant pis, j'ai voulu jouer le Kikou, j'ai voulu choper les pièces là en haut. Bah, c'était une mauvaise idée. Voilà, et c'est là, en fait, qu'on va devoir se forcer à être petit plus loin pour passer. C'est la première fois que je vois ça dans ce jeu. C'est assez sympa, quand même. La difficulté est pas toujours linéaire. Franchement, il y a des moments qui sont super difficiles. Je considère que ce genre de plateforme dans le vide en fait largement partie. En tout cas, par rapport à mon niveau. Hein. Mais... Oui, alors là, les trois y passent, leur copain arrive derrière, et on est bon. Yes. Ah, et puis là, il y a de nouveau trois, mais c'est des boules de neige. Tac, la troisième reste coincée. Ouais, à force, je connais par cœur cet endroit, parce que je l'ai fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Yes, c'est de nouveau un truc pour grandir. Voilà, toi, on chope. Toi, on chope. Voilà, puis après en fait ce qu'on a c'est la même chose que ce qu'on a à droite mais sans les petits carrés en plus. Est-ce que ma souris est visible? Non elle est pas visible, tant pis. Tac, voilà ce petit carré là. On a la même chose juste après et c'est là-bas dessus que je me suis vautré plusieurs fois. Ok, voilà on va demander à machin de me faire petit. Merci beaucoup cher ami. Voyez à droite là, le seul moyen de passer que j'ai trouvé, où ça marchait, c'est d'être petit. Donc ma foi on se met petit, on part en courant. Et on arrive sans problème. Ok, alors du coup, c'était passé quasiment du premier coup. Bah, j'ai mis 10 minutes avant hein, pour le faire, même plus. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire un truc de plus, c'est bien. C'est bien. Voilà, et alors là, maintenant, on arrive sur un truc que je ne comprends pas, l'intérêt visuel.
Il y a des plateformes partout, devant, derrière, flou ou bien pas flou. Et c'est débrouille-toi pour savoir ce qui est vrai ou pas. Alors ce qui est vrai, c'est ce qui est net et au plan du milieu, hein, bien sûr. Mais il faut le savoir. Alors, là, il y a une bouboule. Yes. Après, ce niveau-là ne m'a pas posé beaucoup de difficultés une fois que j'ai compris ce qui était plateforme et ce qui n'était pas, en fait. Ah oui. Oh, et non, mais machin, et oh. Ah non, je voulais lui sauter dessus. Si vous regardez en haut, il y a un truc. Je suis presque sûr que c'est un mini-tux. Et tout à l'heure, je suis bêtement mort. Non, je suis bêtement passé en le tuant sans penser à ça. Et c'est vrai que dans ma situation, avec que 700 pièces, on était à plus de 900 hein, quand j'ai commencé l'épisode. Non, plus de 800, pardon. Ça serait un... Non mais tu reviens là toi. ça serait intéressant quand même hein, d'avoir un bon petit bonus. Mais pour ça, il faut que machin soit pile à la bonne hauteur. Alors on va faire comme ça. On va pas prendre de risque, hein, vraiment. Pardon. J'ai pas trop compris. Ouais, alors là... Non! J'ai compris que c'était un tux, mais visiblement, je l'ai pas chopé. Ok. Toing. Toing. Go. Eh ben non. Alors là, par contre, faut que je saute pile quand machin est juste en haut. Pas comme ça. Faut que je prenne le rythme. Faut que je prenne le rythme. Tout à l'heure, je l'ai réussi du premier coup. J'avais même pas compris comment c'était possible. Est-ce que tu vas redescendre, s'il te plaît? Merci. Alors, maintenant. Ok, alors si je le mets là, il va partir là. Nickel, cette fois je l'ai eu. Et ça c'est très très bon à prendre, hein. Franchement. On est de retour à 810 pièces. Voilà, puis maintenant on va se faire de la place, hein. Ah, c'est tellement plus facile quand on peut se faire de la place. Mais j'ai réussi à le passer hein, tout à l'heure sans... J'ai réussi à le passer sans tuer un seul monstre, hein, puisque je n'étais pas... J'avais réussi à perdre ma boule de feu, j'étais grand. Je vous le montrerai bien en image au montage, mais ça me prendrait du temps, donc je ne vais pas le faire. Surtout qu'après, il faudrait retravailler le son pour avoir un petit quelque chose à peu près utilisable. Ah oui, d'accord. Bon. Ok, si tu veux. Voilà. Alors là, on va pas s'ennuyer. On va passer par-dessus. Hein. Voilà. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais maintenant, je sais. C'est intéressant. Ouais, bon. Yeah ! Voilà. Tiens, d'ailleurs, si je passe... Si je passe, c'est que le monstre est passé aussi. Est-ce que ça passe... est-ce que je meurs après avoir passé la ligne? Grave question. Bon, bref, l'entrée de la caverne. Et nous sommes à 13 minutes au lieu de 25 pour faire la même chose. Cool. Ok, alors là, si je comprends bien... Voilà. No way, no way! Ok. Ah, maintenant on nous rajoute des piquants partout. Mais c'est bien, ça change un peu. Ce qui est bien avec les piquants, c'est que si on tape dedans, on a quand même une chance de sortir encore vivant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Ma foi, je touche les piquants, bah je touche les piquants, je prends un coup de dégâts. Autrement, c'est... c'est vraiment... Tu passes en bas, et bah t'es mort, point. Il n'y a aucun intermédiaire. Et ça, je trouve un petit peu dommage parce que... Bah après, c'est le but du jeu, hein, mais je trouve ça, ouais. Ça, c'est méchant quand même. Si tu veux passer en bas, ok, mais alors... Alors ne lance pas de boule au mauvais moment. Oh, des Madame Ice Block. Tac, ok. On n'en voit pas très souvent, ça. Je pense que ça a été ajouté assez tardivement.
Voilà, on prend toutes les petites pièces. Pour une fois qu'on a un niveau un peu plus facile, il faut vraiment profiter, hein. Ok, est-ce que je tente à gauche? Je ne vais pas tenter. Je ne vais pas tenter. Oui, je l'ai vu. Non, sérieusement, vas-y, mets-moi un plafond bas juste sous le machin. Juste pour le troll. Ok. Là, j'ai pas le droit de rester. Visiblement, là non plus. Oula. Alors là, j'ai pas compris où. Ouh, ça fait mal aux yeux, cette texture-là. Quand on n'est pas l'habitude. Hein. Enfin, quand on sait pas où aller. Ah non, ça, c'était stupide. Ok. Ça, c'était encore plus stupide que juste avant. Surtout que là, je suis sûr que je n'aurais pas vraiment. Allez, fais boum, fais boum, fais boum. Voilà. Ice block, au revoir. Oh, vous le voyez le monstre là? Je sens qu'il va me tomber sur la tronche. Tellement. Ça puait quoi. Ok, alors là à gauche je ne peux pas aller parce que je n'ai pas le casque de pompier, bien sûr. Là, je suis obligé de continuer tout droit le plus vite possible. Ah, il y en a encore un là. Vas-y, tombe. Fais-toi plaisir. T'aimes tellement tomber comme ça. Ok. Ah, j'étais tellement. C'était forcément, c'était obligé quoi. On te met une étoile, mais on t'empêche de la prendre. C'est pratiquement impossible. Débrouille-toi avec ça. Allez, zou. What? Ok. Non, si tu veux, il n'y a pas de problème, je. Allez, toi tu tombes, t'es content. Tac, là on passe vite. Maintenant on connaît à force. Je vois pas l'intérêt en fait de cette étoile là en bas. Est-ce que c'est juste pour me dire. Ouais, non, mais c'est pratiquement impossible de l'avoir. Peut-être en cassant les caisses au bon, la bonne caisse, le bon endroit. Allez, toi tu dégages. Merci. Oh, ok. Si tu veux. N'empêche que Tox, il a pas de bol quand même, hein, parce qu'il suffit qu'il passe, puis il y a toute la glace qui tombe dessus. Par contre, les monstres, non. On se demande bien pourquoi. Ok, ça passe. Voilà, alors là, il se bloque là, il va aller taper madame. Yes. Oh, pas de bol. Alors là, vous le voyez le passage secret à gauche? Parce que moi, oui. Oh non, sérieusement? Sérieusement? Pourquoi j'ai pas pu sauter? J'ai pas eu le droit de sauter? Oui, parfait. Je voulais être petit, finalement. Bon, allez, on se concentre maintenant. J'ai dit on se concentre, j'ai pas dit on meurt. Ok, alors machin, il est content, il fait boum. Bon, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Parce que j'ai de plus en plus de peine. C'est genre ça allait impec pendant un bon moment. Et je sais pas, je suis mort juste. Depuis que je suis mort juste avant, en fait, je fais un peu n'importe quoi. Alors, on va essayer de se reconcentrer un petit coup. J'aimerais bien réussir. Tac. Ok, ça c'est bon. Ça c'est passé. Ces pièces-là, on les récupère parce que c'est sympa. On va essayer de tout casser. D'accord, c'était pas le bon plan. Pas grave, comme ça on découvre. Ok, puis alors là, il faut sauter sur le machin au moins 3 fois.
Voilà, on va laisser exploser. Et une bouboule, une bouboule. La neige rose. Comment la neige peut-elle être féminine? Enfin. Ah bah ça commence à aller mieux quand même. Il suffit que je dise que l'heure est grave ou comment ça se passe? Ok. Alors je soupçonne très fortement qu'il y a un passage secret là-dessous, mais vu mes niveaux en termes de saut, je vais que supposer que ça existe. Hein. Je vais pas aller revérifier. Donc là j'ai pu ressortir sans problème. Donc normalement c'est possible à gauche là-bas. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi? Ah jeu, pourquoi? Voilà, et j'entre dans la caverne. Ce qui fait que c'est exactement le bon moment pour terminer. Oh, il y a plein de choses cette caverne. Eh ben c'est la classe. Ok, mais ce sera quand même parfait pour terminer cet épisode. Bon les amis, du coup c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit pouce rouge si ça ne vous a pas plu. N'hésitez pas à m'expliquer pourquoi ça vous a plu ou pourquoi ça ne vous a pas plu, hein, dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si la série vous plaît, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.